commence à se connecter déjà. Salut Elisa, Imani. Sandrine, et Poupa, Bikekedi, Dan, Eva, Rachel. Salutations, salutations. Moïna, Judikaël, Motatitimbe, Innocent. Gandhi, Dani. Donc accrochez-vous. L'enseignement d'aujourd'hui va Mouitou. Beaucoup de personnes veulent savoir ce qui va se passer durant l'enseignement. Charles, Ngon, Imani. Salutations, salutations. Roland. Manu, connectez-vous. Vladimir Mbale. Connectez-vous. Salut à tous, salut à tous. Salut à tous. Nous allons pas tarder à commencer le direct. On attend un tout petit peu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ce direct et beaucoup ont hâte de savoir ce qui va se passer par rapport à les séductions dans les réseaux sociaux. On va essayer de vous plonger dans le mécanisme vibratoire de la révélation, c'est-à-dire on va vous révéler l'action de tout ce qui se passe derrière Multimédia, ce qui se passe derrière la fibre, ce qui se cache derrière les réseaux sociaux. Pourquoi beaucoup de personnes sont impactées par ces réseaux sociaux, pourquoi on dit même réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc, salutations à tout le monde, à tous ceux que je n'ai pas cités. Durant l'enseignement, partagez le direct et envoyez des cœurs, c'est très important. Et soyez concentrés. Et vérifiez en même temps les passages que je vais donner. Ici, on va pas tarder avant de commencer le direct. Je sais qu'il y a beaucoup de ceux qui se disent pasteurs, qui regardent les enseignements, qui regardent les directs, pour bien après aller voir ceux qu'ils enseignent, pour les dire qu'ils ont reçu des révélations, que Dieu les a dit, Dieu les a parlé, ainsi de suite. Donc, nous allons pas tarder, partager le direct. À commencer, salutations, Yann, Clovis, Aaron, Sango, Franck, Calvin. Nous allons pas tarder, nous allons pas tarder, on attend un tout petit peu. Donc, ceux qui sont en train de manger, si vous mangez du poisson braisé actuellement, soyez quand même. Soyez concentrés, ne pas envoyer de l'arête pour que ça cale pas. Et ceux qui sont en train de faire autre chose, soyez quand même connectés, soyez prêts. Donc, nous allons commencer. Donc, aujourd'hui, comme j'avais promis que j'allais faire une vidéo, un enseignement sur la séduction, en gros, les séductions dans les réseaux sociaux. D'autres vont dire sur les réseaux sociaux, mais moi je dis ici dans les réseaux sociaux, parce que ça se passe derrière, ça se passe à l'intérieur de quelque chose et non à l'extérieur. Depuis, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, quand ils sont venus dans le monde, dans le visible, qui ont eu leur naissance à l'époque où ils ont connu l'ordinateur, ils ont connu Internet, les réseaux sociaux. Vous ne pouvez sûrement pas deviner ce qui se passait avant les réseaux sociaux. Ce qu'on appelle l'ordinateur, ainsi de suite, ça n'a toujours pas eu lieu à un moment donné dans l'histoire.
Et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont connectées actuellement, qui ont vécu la période où il n'y avait pas encore les téléphones portables, il n'y avait pas, comme j'ai dit, Internet, il n'y avait pas, il n'y avait pas beaucoup de choses que vous voyez actuellement. À une certaine époque, même quand on voulait, on va dire, voulait voyager pour prendre un billet, un ticket, il n'y avait pas encore Internet. Comment on faisait? Il y avait ce qu'on appelait le Minitel. Oui, le Minitel, c'était comme une sorte d'ordinateur, comme une tablette. Vous tapiez là le Minitel où tu pouvais commander. Mais ce n'était pas Internet, c'était relié le Minitel par rapport où on va prendre les billets, ainsi de suite. Donc, Internet est sorti bien après, les téléphones portables sont sortis bien après. Mais dans cette période-là, il y avait beaucoup de choses qui se produisaient. Vous savez, maintenant, on va parler plus non seulement des femmes et des hommes derrière les réseaux sociaux. Mais avant ça, ceux qui voulaient des femmes à une certaine époque, quand vous voyez une femme en route, vous voulez lui faire la cour en fonction de l'endroit, en fonction du langage qu'on utilisait, en fonction de l'époque. D'autres voulaient faire la cour à cette femme. D'autres vont dire, ils vont la composer et d'autres vont la draguer. Quand tu voyais une fille qui te plaisait, tu envoyais un petit, et hey, petit, va dire à la fille là, ou bien va, ainsi de suite. Donc, c'était encore passable. C'était passable, c'était dans la propreté. Donc, ils n'écrivaient pas encore sur Internet, il n'y avait pas les téléphones portables pour envoyer les SMS, les messages, ainsi de suite. Mais comment ils faisaient? Ils écrivaient, vous voyez, sur des feuilles. Ils écrivaient, ils envoyaient une lettre avec des cœurs, ils dessinaient des fleurs. C'est comme ça que ça se passait. Et ils respectaient un peu plus la femme, mais par rapport aux réseaux sociaux maintenant, c'est devenu incroyable. Donc, ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Ici, on va entrer dans le cœur même du message. Et on va d'abord commencer dans Ecclésiaste, chapitre 7, au verset 25. Et je répète, Ecclésiaste, chapitre 7, au verset 25. Il est dit, j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, il y a virgule, et dont les mains sont des liens. Là, c'est dans Bible. Celui qui est agréable au verbe de l'eau-bas, lui échappa, mais le pécheur est pris par elle. Il y a point ici. Je m'arrête d'abord là et je développe. À l'heure actuelle, quand vous parcourez dans les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, YouTube, Twitter, bref, il y a encore beaucoup de noms qui vont donner par rapport à les réseaux sociaux, ainsi de suite. Vous allez voir beaucoup de personnes. Je vais d'abord commencer par rapport aux femmes. Et ensuite, on parlera pour les hommes plus tard, si on va le permettre. Il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont rien à faire, qui veulent se sentir importantes, veulent se sentir intéressantes. Elles vont créer les profils, elles vont prendre des photos. La plupart, elles vont même se prendre le téléphone portable, elles vont se filmer. Ou les images vont passer quelques secondes. Vous allez les voir. Elles sont là, on voit son visage, elles se maquillent le rouge à lèvres, bref, les fards, ainsi de suite. Et quand vous cliquez sur son profil, vous voyez sa tête tourne comme ça, pas, pas, c'est juste ça, elle sourit. Donc, d'autres vont porter des habits qui vont attirer, elles vont se maquiller, mettre le visage pour que les gens puissent être attirés par ces images-là. On va vous expliquer pourquoi ces femmes-là font ça de plus en plus. Et par rapport aussi à d'autres femmes, elles vont passer dans les réseaux sociaux, s'insulter, faire du Congo ça, raconter des barlivènes, parler du n'importe quoi. Parce que beaucoup de personnes à l'heure actuelle ne sont pas connectées au spirituel. Donc, ils se livrent à la chair complètement. Ces femmes veulent se sentir exister. Elles n'ont pas de personnalité. C'est pour ça que vous allez les voir dans les réseaux sociaux. Constamment, même quand elle va manger quelque chose, elle va filmer ce qu'elle mange. Quand elle va acheter une paire de chaussures, elle va filmer et montrer la paire de chaussures parce qu'elle va être une star. Et en même temps, il y a la séduction derrière. Tout ceci arrive parce que ça avait déjà été annoncé, ça avait déjà été prophétisé.
Donc, quand on va dans Proverbe chapitre 6, au verset 24 à 25, il est dit, ils te préserveront de la femme corrompue, des paroles doucereuses et de la femme non initiée, virgule, blanche et sans mêlée. De la conscience de tes yeux et de celle de ton cœur, il y a virgule ici, ne convoite pas la femme blanche et sans mêlée pour leur beauté et pour la couleur de leur peau, et ne te laisse pas séduire par leurs paupières en son scellant. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de femmes actuellement, beaucoup de jeunes filles, vous allez même voir même les filles de même 10 ans, elles ont déjà un compte YouTube, elles vont mentir sur les âges, elles vont mentir sur l'endroit où elles vivent. Il y a peut-être une, elle peut vivre peut-être en Afrique, soit peut-être au Congo. Elle va mettre, elle vit à Los Angeles, elle vit peut-être à Miami, elle a travaillé dans telle boîte et pourtant c'est faux parce qu'elle veut se sentir intéressante, elle veut attirer les gens par le mensonge, par l'artifice. Et beaucoup de personnes vont tomber là-dedans parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas l'estime d'eux-mêmes, ils ne se connaissent pas spirituellement. Donc quand ils vont voir une jolie photo, selon leur compréhension, ils vont voir le visage d'une femme qui brille. Ou bien une photo, ils vont automatiquement cliquer et ils vont se mettre à regarder le profil de la fille, regarder les photos et s'abonner parce que ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. En cela, on vous dit ici, dans Kudumane, chapitre 10, au verset 9 à 11. Je répète, dans Kudumane, chapitre 10, verset 9 à 11. À cet instant, les Mengouma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux, qui avaient pris possession de la femme, dirent à l'intérieur d'elle, nous aimons manipuler les hommes. Oui, car ils sont des instruments faits pour nous divertir, plutôt, et nous donner du plaisir. Mais Kola Ita refusa et dit à la femme, tu ne sais point de quelle espèce d'esprit tu es animé. La plupart des femmes à l'heure actuelle, elles savent en elles-mêmes que peu importe la photo qu'elle va mettre, peu importe comment elle va se maquiller, il y aura et s'habiller, il y aura des hommes qui vont regarder. Et elles jouent de ça. Elles vont jouer de ça. C'est pour ça que vous allez les voir constamment dans les réseaux sociaux pour attirer beaucoup de victimes. Et quand elle attire, elle va trier maintenant. Elle trie maintenant. C'est en cela où elles vont raconter toutes leurs histoires, toutes leurs vies dans les réseaux sociaux, parce que d'autres sont là en train de rechercher un mari, mais par intérêt. Un mari qui a l'argent, un mari, on va dire, qui est plus beau, ainsi de suite, hein, c'est par intérêt. Parce que derrière, il y a un esprit qui est derrière les réseaux sociaux. On va vous dévoiler ces esprits-là tout à l'heure. Donc, dans Proverbe chapitre 9, au verset 13 à 14, il est dit. Une femme stupide est possédée et agitée par les Mengouma Madiba, dans les sirènes des eaux. Elle est vulgaire et ne connaît rien. Elle s'assit à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville. Dans les hauteurs de la ville. Dans Bible, au temps des ancêtres, ils avaient déjà prophétisé par rapport aux réseaux sociaux. Ils avaient déjà vu ce qui se produisait. Là, je commence d'abord pour les femmes et ensuite ça va être le tour des hommes aussi, si le bas le permet. Donc, comme je dis depuis le début, il y a partout dans le monde, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, ainsi de suite, vous allez voir beaucoup de femmes. Elles vont faire des faux profils, vous voyez? Elles vont faire des faux profils, elles vont même retoucher leur image pour attirer les gens. Parce que c'est l'artifice. Satan passe par derrière maintenant, par l'image, par l'idolâtrie, par la convoitise, pour séduire les gens. Pour séduire. Et beaucoup de personnes sont concentrées maintenant dans les réseaux sociaux, sont concentrées sur le téléphone. Parce que quand vous étiez petit, vous regardiez, vous allez au cinéma, vous voyez, il y avait des stars derrière l'écran. Et vous ne voulez plus trop aduler ces stars. Vous voulez être maintenant vos propres stars. Et en cela, vous allez dans les réseaux sociaux. Vous exposez vos vies.
vous déchaînez là-bas dedans. Mais vous ne savez pas qu'en faisant ça, vous éloignez complètement du spirituel, du plan spirituel, du plan astral. Parce que quand vous lisez dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 5, au verset 1 à 11, ils sont rentrés dans la révélation. Dans Bible, Zacharie chapitre 5, au verset 1 à 11, il est dit, « Je levai de nouveau les yeux et je regardais, et voici, il y avait un rouleau mystérieux. » Vous devez comprendre que ce rouleau mystérieux, que ce personnage, que cet ancêtre, ce patriarche, cet initié de cette envergure avait vu, on va vous décortiquer dans un autre sens, dans une autre réalité, ce que ce patriarche-là voyait dans Zacharie 5, à partir du verset 1 à 11. Il est dit, « Je levais de nouveau les yeux et je regardais, et voici, il y avait un rouleau mystérieux. » Le rouleau mystérieux qui volait. Et ce rouleau va représenter quoi? Dans l'autre sens caché, c'est un écran que cet homme voit. C'est un écran. Parce que quand vous avez des réseaux sociaux, vous êtes devant votre PC, c'est un écran que vous avez en face de vous. Devant la tablette, c'est un écran. Devant le téléphone portable, c'est un écran. Donc ici, là, ce rouleau va aussi correspondre à un écran qui volait. L'écran dont on projetait déjà, on voyait déjà le dégât des réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc dans le verset 2, il dit, il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un bom, 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 c'est-à-dire rouleau mystérieux qui vole. Un rouleau, c'est quoi? On écrit des choses sur du rouleau. Donc, c'est un écran et derrière l'écran, il y a des images, il y a les écritures. C'était une représentation symbolique de l'Internet, de l'ordinateur, des téléphones portables qui allaient se manifester à cette période pour une grande séduction collective. Donc, on dit ici, il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un bom, c'est-à-dire un rouleau mystérieux qui vole et il a 10 mètres de long et 5 mètres de large. Moutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, Moutatedi me dit, c'est Mbaki. C'est Mbaki. Mbaki, c'est quoi? C'est la malédiction. Donc, Internet. Mbaki, c'est la malédiction. Donc, Moutatedi révèle à ce patriarche, à cet initié en chef, que c'est Mbaki. Derrière le bomb, derrière cet écran-là d'ordinateur, à l'intérieur, c'est la malédiction, c'est la prostitution, c'est la corruption, c'est l'anti-vérité qui se cache derrière les données. Sans cela, où Essombe dit, ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Maintenant, certains vont me dire, si Mouta te dit ici que Mbaki c'est la malédiction, donc c'est Internet. Pourquoi donc je fais mes enseignements sur Internet? C'est la question que les gens vont poser. Et je réponds tout simplement, tout ce qui existe, nous avons le pouvoir dessus. Donc, en gros, dans 100% d'Internet, 90% c'est le mensonge, c'est la corruption, c'est l'anti-vérité, c'est la séduction que vous voyez. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez presque tout là-bas. Donc, le péché s'invite dans vos maisons. Donc, vous n'avez même plus besoin, certaines personnes n'ont même plus besoin de sortir pour aller faire la cour à une femme au village ou bien. Selon le rythme des initiés, ils vont directement derrière l'écran, ils regardent le profil des filles, ils disent non, celle-là, j'aime pas ses cuisses, j'aime pas, ils regardent le profil, ils disent tiens, c'est celle-là que je veux. Et ils se mettent à discuter maintenant avec la fille aussi maintenant commence à dire, tu as quel niveau d'études, tu travailles dans quoi, tu es de quelle nationalité, si tu dis, tu es de telle nationalité, pop, elle dit, elle veut pas. Parce que derrière, il y a une manipulation mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. C'est une manipulation. Mais derrière Internet aussi, on voulait relier les gens. C'est en cela où on dit les réseaux sociaux. Vous voyez, les réseaux sociaux. Et ces réseaux-là maintenant, pourquoi on dit les réseaux sociaux? Parce qu'il y a plusieurs réseaux dont plusieurs dimensions
dans ce qu'on appelle Internet. Il y a plusieurs dimensions. Donc ici, on vous dit, Moutate dit, me dit, c'est Mba qui donc la malédiction qui se répand, sur tout le territoire. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici et selon elle, tout parjureur sera chassé d'ici. Tout parjureur sera chassé d'ici. Et dans les réseaux sociaux, vous allez voir, c'est là où il y a la plus grande des séductions. La plus grande des séductions, c'est là-dedans. Comme je dis, les femmes elles-mêmes, elles deviennent des instruments, elles deviennent des objets sexuels sans savoir. Il y a même d'autres qui savent et elles jouent de ça. Elles vont porter des mini-jupes où on voit toutes les cuisses dehors. Elles prennent la photo. Elle se place, elle met ça sur son profil. Et comment voulez-vous que quand les gens puissent voir ces genres d'images, puissent encore respecter la femme? Et ces genres de femmes, elles font ça parce qu'elles savent que dehors, on ne la calcule pas. Donc, elle va attirer beaucoup de personnes par rapport à son image artificielle. Alors qu'elle-même, elle sait qu'elle est une vanité. Elle attire les gens avec les images. Dans ce sens-là où maintenant d'autres vont créer, vont manifester ce qu'on appelle des faux profils. Des faux profils. Quand d'autres vont entrer dans des groupes, ils vont d'abord cliquer où il y a, où on voit la liste des femmes. Et ils commencent à cliquer. Ils sélectionnent. C'est là où j'aime bien. Ils mettent sur favori, favori, favori. Et ensuite, maintenant, ils se mettent à trier. Voilà. Où est l'esprit là-dedans? Où est l'esprit dedans? Ça, c'est purement charnel. C'est que de la chair. C'est l'artifice. Vous parlez avec quelqu'un sur Internet, vous ne savez pas qui est cette personne. Cette personne va dire des choses que vous aimerez entendre et réciproquement. Le jour maintenant, vous allez vous rencontrer, vous allez habiter ensemble. Incompatibilité d'humeur, ça ne se passe pas bien parce que vous êtes tombé dans le piège de la corruption, du mensonge, de l'artifice. En cela, on vous dit ici que Moutat Teddy a expliqué que c'était la malédiction. C'était la malédiction. Et derrière Internet, cette séduction-là, elle est terriblement dangereuse. Parce qu'il y a des gens maintenant, si on vous coupe Internet, si vous n'avez plus Internet, beaucoup de personnes vont se suicider. Parce que Internet est devenu une adoration pour eux. Internet est devenu un instrument, est devenu Dieu pour eux. Il y a des gens qui vivent, c'est-à-dire sur Internet, quand ils disent sur Internet, toute leur vie, elle est là-dedans. Donc, si on ne parle pas d'eux, si on ne parle pas d'elles, elles se sentiront ou ils se sentiront insignifiants. Donc, ils vont passer leur journée dans les réseaux sociaux à faire des vidéos, à insulter, à faire du Congo ça, à séduire les gens. Voilà l'instrument de destruction. Et c'est une porte d'entrée qui donne des idées à d'autres personnes. Donc, on dit ici, Mundima Bekor qui se dit, c'est-à-dire l'entité de châtiment en charge du domaine de la nature, la repent, dit Moutat Teddy, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui parle faussement au nom de Tété, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec du bois et des pierres. Moutat Teddy qui parlait avec moi, s'avança et me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Donc, maintenant, dans le verset 6, on vous dit, je répondis, qu'est-ce? Et Moutat me dit, c'est-à-dire, c'est la mesure à grains. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous parle dans Zacharie aussi, que cet homme a vu des choses. Il a eu reçu des visions, dont la vision, c'est voir avec les yeux de son esprit. Donc, c'est de voir avec les choses de son esprit. Et il a vu un mesure à grains. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de boîte ou un seau où il y a beaucoup de grains qui sont dedans. C'est ça, les mesures à grains. Mais sauf que les biblistes, les chrétiens, beaucoup de ceux qui vont essayer d'étudier la Bible ou les Bibles classiques actuelles ne vont pas comprendre l'image de cette mesure à grains ici-là. Donc, on vous dit ici, Moutat me dit, c'est la mesure
à grain. C'est la mesure à grain. La mesure à grain, c'est quoi ici là? Ça va correspondre à un ordinateur. Donc la boîte là, c'est l'ordinateur. Et les grains qu'on va voir, c'est le clavier, les boutons dont vous servez à taper sur, c'est-à-dire sur votre ordinateur qui sort. On vous expliquait déjà le danger, la dangerosité des réseaux sociaux. Parce que beaucoup de gens font du terrorisme, beaucoup de femmes vont se prostituer, et oui, elles vont dans les sites de rencontres, mais c'est quoi cette histoire des sites de rencontres? C'est quoi ces sites de rencontres? Les gens vont dans les sites de rencontres maintenant. Elles vont se pavaner sur les réseaux sociaux, choisir une belle photo et émettre en sachant néanmoins qu'elles sont en train de vouloir séduire les gens. Elles vont néanmoins laisser ça pour séduire. Parce que c'est quelque chose de dangereux. On transfère des données, la séduction. En fait, derrière Internet, il y a ce qu'on appelle les sirènes des eaux. Il y a ce qu'on appelle, il y a les démons guerriers. Parce que dans Internet, on retrouve de tout, toute forme d'image. Les gens vont violer, ils vont envoyer. Les gens vont lutter, ils vont envoyer. Bref, tout ce qui est contre l'anti-vérité, c'est ce qu'on retrouve sur Internet. Et les gens vont liker, ils vont partager, ils vont aimer. Parce que Satan a poussé la séduction à un point dont les gens n'arrivent même plus à voir. Les gens n'arrivent plus à voir. Parce qu'il sait que on l'a percé à jour. On l'a percé à jour déjà. Donc maintenant, il va utiliser les réseaux sociaux maintenant pour séduire. Parce que quand même un enfant de 5 ans ou un enfant de 6 ans, ou bien on va dire, il y a des enfants de 12 ans, 11 ans, 10 ans. Si les parents ne bloquent pas, ne mettent pas le code parental, ils vont aller voir n'importe quoi sur Internet. Il y a des séductions là-bas. Donc, la séduction, c'est sur toute forme, et c'est-à-dire sur toute forme. Et la plupart des femmes qui vont se dénuder, on va avoir presque les seins dehors, on va avoir les cuisses dehors, elles vont prendre l'une des plus belles photos, elles vont mettre. Vous devez comprendre ici, elles-mêmes sont des instruments, elles sont là pour vous attirer. Elles vous attirent. Et quand vous voyez cette image, vous voulez à tout prix cliquer. Et quand vous cliquez, il y a d'autres qui vont même télécharger ces photos. Ils vont imprimer, ils vont mettre ça dans les chambres. Et oui, il y a des gens qui téléchargent des photos des femmes, ils impriment, ils mettent ça dans les chambres. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est l'idolâtrie totale. C'est l'idolâtrie totale. Sur Internet, on retrouve de tout. Mais ça ne veut pas dire que sur Internet, il n'y a pas de bonnes choses. Il y a des choses comme, là, je suis en train de parler parce que vous avez Internet, donc vous voyez Zulu là en train de parler. Ça, c'est une bonne chose. Vous pouvez aller sur Internet parce que vous voulez voyager, aller dans un pays. Vous regardez peut-être dans ce pays, est-ce que c'est dangereux d'aller dans ce pays pendant cette saison? Vous vous documentez. Maintenant, quand vous allez sur un site Internet, quand vous tapez, il y a souvent ce qu'on appelle maintenant le cheval de Troie ou bien les chevaux de Troie. Donc, il y a des publicités, des spams, les publicités qui viennent, qui entrent, qui entrent, qui entrent. Quand vous allez peut-être sur un site pour regarder un film, ou bien sur Facebook, ou bien peu importe, vous voulez regarder un film, il y a des images des femmes presque nues qui apparaissent, qui apparaissent, qui apparaissent, qui apparaissent, qui apparaissent au fur et à mesure. Parce que c'est la séduction. Le but d'Internet, c'est pour non seulement dominer les hommes de la terre, c'est dominer les hommes, premièrement. Et de deux, les séduire. C'est pour les séduire. Parce que sur Internet, les gens vont raconter du n'importe quoi. Et d'autres qui ne savent pas, ils vont liker, ils vont aimer, ils vont partager. C'est là où maintenant tout le monde, maintenant la plupart, vont se autoproclamer pasteurs. Ils vont venir dans les réseaux sociaux. Ils vont raconter du n'importe quoi. Et les gens vont s'abonner. Ils vont commencer à cliquer. Et voilà le mensonge qui se propage au fur et à mesure. Donc, je répète ici, Moutat est dit, en gros, il dit, c'est la mesure en grain. Donc, aucun pasteur, aucun de ceux qui se disent révérend, bishop, maréchal, ne peut
et ne pourra vous donner une telle révélation. Donc, la mesure à grain ici, c'est comme un seau. En fonction de l'endroit, c'est comme un seau. Il y a beaucoup de grains là-dedans. Donc, on mesure le grain. On pèse le grain pour voir les kilos pour vendre. Donc, le seau là, maintenant, là, cette boîte va correspondre à, c'est-à-dire l'Internet. Donc, en gros, va correspondre à votre ordinateur ou votre téléphone ou bien votre... votre tablette, ainsi de suite. Donc, il y a des touches exactement comme les anciennes machines à taper ou les anciens Minitel. Maintenant, Satan savait ça, que cette prophétie devait se réaliser, en gros, que ce prophète, cet homme-là, avait reçu l'initiation. C'est pour cela, maintenant, il veut à tout prix enlever, maintenant, les... en gros, le clavier pour mettre les trucs, maintenant, tactiles. Mais ce que vous ne savez pas, même si on enlève le clavier, le point pour taper, le tactile, c'est néanmoins toujours le clavier. Puisque derrière, il y a toujours des touches. Mais ce que vous ne voyez pas. Donc, il essaie de dissimuler encore pour que cette prophétie-là ne puisse pas être non seulement vue et comprise. Et on vous dit ici, Moutat me dit, c'est la mesure à grain. Et la mesure à grain, c'est comme je dis, c'est l'ordinateur avec des boutons de clavier qui sort. Puis Moutat dit, ajouta, c'est leur iniquité dans tout le territoire. C'est leur iniquité dans tout le territoire. Il y a point. Dans tout le territoire. En ce moment, le couvercle... Donc, avant de poursuivre, il y a ce qu'on appelle d'abord la télévision. Vous voyez la télévision. Dans ce qu'on appelle la télé, on va vous expliquer pourquoi la télé existe. La télé existe. C'est-à-dire l'écran télé, l'écran plasma. Avant l'écran plasma, il y avait d'autres télés avec la bosse derrière, ainsi de suite. Au fur et à mesure, il y avait le magnétoscope, il y avait les DVD, ainsi de suite. Tout, vous allez appeler ça la technologie. Certes, c'est une technologie, mais derrière cette technologie, il y avait un plan minutieusement préparé pour endormir, pour nettoyer les gens. Donc, pour séduire spirituellement, mentalement, intellectuellement les gens. Bon, la télévision a été fabriquée pourquoi? Dans quel but ils ont fabriqué les télés d'abord? Vous devez savoir que ce qu'on appelle la télévision, ça a déjà existé dans une autre époque, mais pas exactement les télés dont vous connaissez ici. D'autres gens vont dire, ceux qui ne connaissent pas, on va vous faire croire que la télé a été inventée pour, on va dire, regarder le journal, regarder ce qui se passe un peu dans le monde, se divertir, ainsi de suite. Parce qu'on va mettre les dessins animés, et on sait que les dessins animés, c'est du mensonge. Puisque les dessins animés sont des histoires inventées, ils vont faire parler le poisson, ils vont faire la méduse, la sirène des eaux, ainsi de suite, un dessin animé. Et en gros, la télé a été créée, a été manifestée dans le but précis, premièrement, pour un plan de préparation mentale. Donc, pour connecter toute la planète Terre, pour séduire, remplir les gens du mensonge, des informations erronées. Ça veut dire que, premièrement, quand un pays veut aller en guerre contre un autre pays par rapport à son pétrole ou ses richesses de la Terre, ils vont utiliser ce qu'on appelle les messagers à eux, dans les faux prophètes. Écoutez attentivement. Ils vont utiliser ce qu'on va appeler les faux prophètes à eux. Et ces faux prophètes-là, c'est ce qu'on appelle les journalistes. Les journalistes. Et oui, les médias. Et ce sont ces médias-là qui vont vous remplir de mensonges. Ils vont dire non, tel président, c'est un dictateur. Il est en train d'opprimer son peuple. Telle femme, elle est ceci, ainsi de suite. Et quand vous allez accepter ça, c'est là où maintenant ils vont envahir. On vous montre ça collectivement. Et les scientifiques vont passer par cet instrument de mensonge. Oui, un instrument de mensonge. C'est une sorte d'instrument. Ça fait partie des tunnels. C'est une sorte d'instrument de mensonge pour séduire. Donc, ils vont faire des films érotiques. Ils vont essayer de diffuser ça dans les chaînes au fur et à mesure. Ils vont faire les films de guerre. Ce qu'on a appelé les films d'action.
les films de karaté. À l'époque, quand vous étiez petit, vous regardiez les films chinois. Vous regardiez peut-être les films de Van Damme. Quand vous étiez petit, après avoir regardé le film de Van Damme, vous faites quoi? Vous allez dehors, vous voulez déjà faire comme lui. Vous voyez? Parce que là, on vous a initié à la rébellion, on vous a initié au mensonge, on vous a initié à la violence. À la violence. Donc il y avait beaucoup de films qui passaient dans les télévisions au fur et à mesure. Et ils se sont rendus compte que ça ne suffit pas à la télé. Il faut maintenant autre chose. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la télé. Et ce n'est pas tout le monde qui va s'intéresser à telle chaîne ou bien à l'autre chaîne. Parce qu'il y a eu beaucoup de chaînes concurrentes ainsi de suite. Ils ont maintenant dit derrière qu'ils vont manifester ce qu'on appelle Internet. Donc Internet, ça va être moins cher. Et ils vont mettre toutes formes et sortes d'informations mensongères, la brutalité, les femmes nues, la séduction. Parce que il y avait des chaînes câblées à une certaine époque où, bon, excusez l'expression, dans les chaînes câblées, certains regardaient ce qu'ils appellent les films pornographiques. Et d'autres vont dire les films de boules. Bon, d'autres, c'est les films érotiques, ainsi de suite. Et quand vous n'aviez pas ces chaînes-là, quand vous n'aviez pas, on va dire, Internet, ou bien vous n'aviez pas ces chaînes-là, peut-être ça coûtait cher pour certains, quand vous n'aviez pas ces chaînes-là, donc vous êtes déjà à l'abri par rapport à ça. Et ils se sont rendus compte que non, c'est pas bon. Ils vont maintenant légaliser ce qu'on appelle Internet et prendre toute forme de séduction, des films pornographie, des femmes qui n'ont plus de cervelle, en gros les femmes qui viennent se pavaner un peu partout. Donc on mélange tout dans cette boîte-là, qui est Internet, et on va diffuser ça. Maintenant, ils vont appeler la fibre optique, parce qu'avant, tu devais avoir la parabole, tu devais avoir ça. Mais ils se sont rendus compte que même par là, ce n'est pas le monde entier qui a encore ça. Il faut faire la fibre optique, il faut maintenant faire autre chose pour que tout le monde soit connecté au même moment. Vous voyez? Et que vous pouvez même liker ce que vous voyez. Donc vous participez au mensonge. Vous allez voir des gens qui vont lutter dehors. Les gens qui n'ont pas de cerveau, ils ont la bouillie dans le cerveau, on dirait comme ça. Ils vont commencer à filmer. Ils filment la scène. Et ils envoient dans les réseaux sociaux, ils se mettent à rigoler. Vous voyez comment on est en train de banaliser la loi. On est en train de chasser la loi morale. Vous allez voir les femmes, elles sont là. Elles vont montrer le derrière. Elles vont montrer le derrière, elles sont presque nues. Elles mettent les vidéos sur Internet, les gens se mettent à regarder, ils like, ils like, ils like. Où est passée la loi morale? Où est passée la valeur de la femme? Donc, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de uniquement pour, premièrement, séduire les gens. Séduire les gens. C'est pour cela que les gens avant achetaient des cassettes vidéo. Vous voyez les cassettes avec les magnétoscopes. Les gens achetaient, mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait aller acheter certains films. Donc, ils ont dit, bon, on va arrêter l'histoire de magnétoscope, on va laisser le DVD, on va laisser tout ça. On va envoyer Internet. Maintenant, avec Internet, tu peux aller sur YouTube. Eh oui, YouTube, tu tapes un film, peut-être un film français, bah, tu regardes un film. Ils vont aller sur les streamings. Vous voyez que les streamings, avant, c'était surveillé, maintenant, c'est plus trop surveillé. Donc, n'importe qui, maintenant, peut télécharger ce qu'il veut. Peut dire ce qu'il veut, peut faire ce qu'il veut maintenant sur Internet et on diffuse pour corrompre les gens au fur et à mesure. Et les femmes, beaucoup de femmes, elles jouent, elles sont dans ce jeu-là et même la plupart ne savent même pas qu'elles sont des instruments du monde occulte. Vous allez voir, elles vont se maquiller, elles filment comment elles se maquillent, elles envoient dans les réseaux sociaux. Elles vont aux toilettes, elles filment. Elle vient se réveiller, elle filme, elle envoie. Au fur et à mesure. Mais où est la moralité dedans? Donc, on vous dit ici, en ce moment, le disque, c'est-à-dire le couvercle, c'est-à-dire ce couvercle-là, le mesure à grain. Donc, le couvercle qui va représenter maintenant le disque dur. Est-ce que vous comprenez? Le couvercle va représenter le disque dur, qui était en forme de disque, donc qui va représenter maintenant les données. Avec Internet maintenant, les gens vont se draguer, tu vas tromper ta femme, la femme va tromper son mari, juste avec les messages, papa, papa, on se donne rendez-vous à tel endroit. Ça va très vite. Maintenant, ça va très vite. Ça va très vite. Pour certains, vont dire, oui, c'est bien Internet,
Parce que ça nous aide. Bon, c'est un bon côté. Le bon côté, c'est quoi? Si tu n'as pas envie d'aller faire des courses dehors parce que tu es fatigué ou bien c'est loin, ben, tu peux faire les courses sur Internet. Dans un centre commercial, tu fais les courses et le livreur vient te livrer. Là, ce sont des bonnes choses. Tu peux te documenter, mais une grande partie d'Internet, c'est la séduction. C'est la séduction. Et en cela, on vous dit ici, en ce moment, le couvercle qui était en forme de disque, ce couvercle-là va représenter un disque dur qu'on retrouve dans l'ordinateur. Et le disque-là maintenant va représenter les données. Se souleva et on voyait une Djengula Madiba, donc sirène des eaux, ayant le cœur, ayant le corps et le visage d'une femme blanche assise dans la mesure à grains. Ils sont en train de tout surveiller maintenant. Donc, ils veulent en sorte que les gens puissent embrasser les idées. Que les gens puissent embrasser les idées. Et ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes sur la terre, qui passent presque la moitié de leur journée dans les réseaux sociaux, en train de regarder les images des femmes, en train de regarder les femmes, ainsi de suite. Parce qu'ils voient tel profil, pac, il devient ami. Vous voyez le profil d'une femme, elle a peut-être, on va dire, 10 000 amis. Vous entrez encore pour être ami avec elle. Vous pensez que c'est vous qu'elle va choisir? Vous pensez que c'est vous qu'elle va choisir? Parce que vous allez cliquer, vous voyez une belle image, vous cliquez parce que ça vous fait du bien aux yeux. Et ça réjouit votre cœur et vous cliquez. Parce que vous-même aussi, vous êtes tombé dedans. Et quand on vous demande d'entrer dans le spirituel, de prier, de transcender sa conscience, vous avez du mal. Parce que vous êtes déjà en train de nourrir par la fausse, par le mensonge, par la négation, par l'anti-vérité, par l'antiphrase, par l'antiphrase. Arrêtez la séduction. Donc, Moutat me dit, c'est la séduction. Et Moutat dit, la repoussa à l'intérieur de la mesure et emboucha l'ouverture. Sans qu'elle puisse voir, Moutat te dit, et jeta sur l'ouverture le couvert qui était en forme de disque, car Djengoula Madiba voulait sortir. Donc, sortie ici, là, maintenant, c'est quoi? On vous dit qu'il y avait une femme, une sirène des eaux, qui voulait sortir de cette boîte-là, en gros, de mesure à grains ici. Maintenant, ça va symboliser quoi? Ça va tout simplement symboliser une femme dans les réseaux sociaux. Dont vous prenez rendez-vous avec elle et vous voyez après physiquement, y compris les hommes. Il y a des hommes, ils vont bien se raser, ils vont bien raser là, ils vont mettre une belle chemise ou bien un costume, ils vont prendre une belle photo de profil et mettre ça sur son profil pour que les femmes puissent regarder ou bien pour que d'autres personnes puissent regarder en disant, ah, vous voyez, j'ai réussi. D'autres vont aller, ils vont prendre des voitures qui les appartiennent même pas. Ils vont aller devant les immeubles des gens. Ils vont ce qu'ils appellent liker, ils vont prendre des selfies en faisant croire aux gens que les vies, ils ont réussi. Vous voyez? Qui sont dans l'abondance, qui sont dans la joie, qui sont dans l'opulence, ainsi de suite. Et pourtant, c'est un mensonge. Ces gens vont véhiculer un mensonge. Un mensonge. Et oui, comme dit Mbalay, c'est la misère spirituelle. Beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens vont se créer une vie, une fausse vie. Tu vas à une soirée, tu te mets à liker, tu likes, tu likes, tu likes, tu likes tes chaussures, tu likes. C'est quel message que tu apportes? Pour dire que tu es belle, pour qu'on te regarde. Mais on te regarde pourquoi? Tu es qui pour qu'on te regarde? C'est le verbe qu'on doit regarder. Toi, tu n'es pas intéressante. Qu'est-ce que tu peux apporter aux gens? La respiration, l'oxygène? Donc, arrêtez. Ça, c'est une nouvelle forme d'idole. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Et c'est la plupart des hommes et des femmes savent cela. Donc, ils vont prendre de belles images d'eux ou d'elles et mettre sur des profils et sélectionner les photos qu'ils vont placer. Papa, papa, papa.
Comme ça, les gens vont liker, ils vont mettre le cœur au fur et à mesure, au fur et à mesure. Ah, tu es belle. Elle dit, ah, merci, merci. Mais qui t'a dit que tu es belle? Mais qui t'a menti? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et beaucoup de gens tombent là-dedans, dans le piège. Vous devenez amis sur Internet, mais vous ne voyez jamais. Il y a des gens qui ont Facebook, ils ont peut-être 300 amis, 2000 amis, mais ils se sont jamais vus. Le jour là des problèmes, le jour là des situations, aucun de tous ceux qui connaissent en tant qu'amis sur Internet, personne n'est là. Personne n'est là. Il ne sait même pas où ils habitent. Mais parce que il veut se sentir exister. Ces filles qui vont se parler dans les réseaux sociaux, montrer les jupes, montrer les cuisses, montrer les doigts de pied, montrer les ongles avec les vernis, montrer les bouches, les lèvres, ainsi de suite, c'est parce qu'elles n'ont pas de personnalité. Elles n'ont pas de personnalité. Elles ont perdu la personnalité. Parce que tu veux te sentir exister. Tu veux te faire voir. Donc, en gros, ça veut dire que si tu ne fais pas ça, tu sens en toi-même que tu n'es rien. Donc, pour pouvoir exister, tu es obligé de te montrer. D'essayer de te mettre en valeur. De te mettre en rouge à lèvres, ça ne veut pas dire que c'est interdit de mettre le rouge à lèvres, mais vous verrez, elles vont se maquiller, faire des cils, des faux trucs, des faux cheveux, et prendre une belle photo profil devant la voiture ou bien devant, on ne sait pas, pour qu'on la voie comme ça. Mais montre-toi naturellement. Montre-toi naturel. Pourquoi toujours des artifices? Tu prends une image. Tu la montres et quand on vient te voir, ce n'est pas cette image qu'on voit. Ou deux fois, elles vont s'habiller, vont montrer les images, le profil, mais dès que tu la vois en vrai, tu dis, oh là, non, 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 je me suis trompé. Donc, et je dis aussi, arrêtez, y compris même dans le groupe. Ce n'est pas parce que quelqu'un entre dans le groupe et qu'il va dire, loba, 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 que vous allez forcément vouloir être ami avec la personne. Vous ne savez pas, c'est pas parce que quelqu'un va dire loba loba que forcément il marche selon loba. Arrêtez d'être ami à gauche, à droite avec quelqu'un qui vient à peine d'arriver, l'autre vient d'arriver, l'autre a un site internet, l'autre a une page là-bas, il dit loba loba loba, ou bien partage mes vidéos, ça y est, vous partez, vous devenez ami avec cette personne, ami avec cette personne. Tout ça, c'est la séduction. Il n'y a qu'un seul berger, une seule bergerie. Et oui, vous voyez les faux pasteurs, ils sont juste en train de propager la fausse doctrine un peu partout. C'est sur Internet. Et ça touche beaucoup de gens. Vous voyez des filles, des femmes, elles vont dire qu'elles sont des stars. Elles se sont auto-créées une image en disant qu'elles sont des stars. Les stars de quoi? Les stars de rien du tout. Vous voyez, elles vont au boulot, elles travaillent. Elles travaillent comme la plupart des gens. On lui donne des ordres au boulot. Elle n'est rien dans son boulot. On la fatigue dans son boulot. Ses voisins ne la connaissent même pas. Et quand elle rentre à la maison, c'est là où maintenant, quand elle allume sa caméra, elle entre dans les réseaux sociaux, elle se sent maintenant importante. Elle se sent maintenant vivre. Vous voyez? Elle se sent vivre. Pourquoi? Parce qu'elle cherche leur propre gloire. Elle cherche leur propre gloire. Elle veut être des stars. Stars de quoi? Parce qu'elle veut la gloire des hommes. Donc ces gens qui sont constamment dans les réseaux sociaux, en train de broyer, en train de crier, raconter du n'importe quoi. Cherche les propres gloires. Vous allez voir, elles vont parler, elles vont dire qu'elles portent tel habit, ça coûte ceci, les paires de chaussures coûtent peut-être 2000 euros, ou ainsi de suite. Donc, c'est inventer une vie. C'est inventer une vie. Voilà ce que ils vont faire. Et les réseaux sociaux sont venus pour ça, pour les aider. En s'enfoncer encore plus.
C'est ça le problème. Donc, dans Proverbe, chapitre 7, au verset 1 à 12, il est dit, « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. » C'était comme ça avant. Dans les réseaux sociaux maintenant, ils vont attraper des femmes, ils vont violer les femmes, ils vont décapiter les femmes, ils vont bastonner les femmes, ou les hommes vont se bastonner, vont voler, ils vont mettre ça dans les réseaux sociaux. Et les gens vont liker, d'autres ne vont pas aimer, d'autres vont aimer, et d'autres vont partager. Donc on expose maintenant la violence à la vue de tous. On banalise. On fait accepter du n'importe quoi aux gens. Des gens vont insulter, les gens vont mentir en direct, et les gens sont toujours là pour liker, pour partager, pour aimer, parce que ces gens-là sont en train de distraire d'autres personnes. Vu que leur propre vie, ils s'ennuient. Il y a des gens qui s'ennuient étant tout seuls. Il y a des gens qui s'ennuient. Tout seuls, ils s'ennuient. Donc, pour se distraire, tiens, je ne veux pas aller écouter la vérité parce que la vérité là, ça ne va rien m'apporter. Voilà ce qu'ils vont dire. Je ne veux pas écouter Zulu là parce que Zulu là dit trop la vérité. Et si j'écoute Zulu là, non. Je préfère plutôt aller écouter une fille qui est assise là-bas. Elle monte sa grosse et fausse poitrine. Aller insulter, parler. Voilà ce qu'ils aiment voir. Voilà ce qu'ils aiment écouter. Parce que ça les arrange. Ça les arrange pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont comme ça. Ils vont aller écouter quelqu'un qui raconte, qui parle de la fausse vérité, c'est-à-dire la fausse doctrine, qui propage la fausse doctrine. Ça, ils aiment ça. Ils vont aller écouter les congosseurs, ceux qui apportent le Congo ça. Ils aiment écouter les gens qui aiment s'insulter. Tiens, l'autre a insulté l'autre. Ah tiens, je m'en vais voir comment l'autre aussi va répondre. Voilà comment ils font. Ça, c'est la distraction. On est en train de distraire des gens dans la vanité, dans le néant, dans la négation, dans l'anti-vérité, dans l'anti-phrase. On enlève le spirituel et on est en train de les distraire. C'est la distraction. Et cette distraction, c'est la mort spirituelle. Je répète, cette distraction, c'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. On est en train de banaliser la mort. À force de les gens vont tuer des gens. Ils vont partager dans les réseaux sociaux. Au fur et à mesure que tes yeux vont voir, tes yeux vont accepter. Tes yeux ne repousseront plus ces images gore. Est-ce que vous savez ça? Plus tes yeux vont voir quelque chose qui n'est pas bon, à un moment donné, ça ne va plus rien te faire. Tu vas banaliser la chose. Et c'est ça le but des réseaux sociaux. C'est ça le but de l'anti-vérité. Donc beaucoup de gens sont distraits. Ils vont aller écouter des faux enseignements, des faux enseignants. Ils vont aller écouter des gens qui parlent de la polygamie, que c'est bien la polygamie. Ils vont aller écouter des gens qui se prennent pour des stars, qui vont aller draguer les femmes à gauche, à droite. Ça, ces gens d'émission, ils aiment ça. Parce qu'ils sont comme ça à l'intérieur d'eux. Ils vont tout tolérer. Donc, c'est pour ça que dans Proverbe 7, verset 1 à 12, il est dit ici, « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. » La plupart des femmes noires, ici d'abord, on commence d'abord par elles, la plupart des femmes noires qu'on voit sur Internet, pas toutes, il y a des femmes noires qui font des vidéos pour lutter contre la mélanine, pas la mélanine, contre le décapage de la peau, qui donnent des bons conseils. Mais la grande partie, quand vous les voyez, qu'est-ce qu'elles racontent de bon sur Internet? Rien du tout. À part se faire voir. Pour raconter une petite histoire qui va prendre 5 minutes, elles vont au moins prendre une heure, juste pour montrer le bon profil, montrer sa bouche, soulever, décorter. Et c'est ce qu'elles font, elles imitent ce qu'on voit dans les publicités. Ils veulent vendre une voiture, ils mettent les femmes presque nues, entre l'éponge avec le savon, la mousse, devant la voiture. Mais
Où est le rapport avec la femme qui lave la voiture avec la voiture qu'on est en train de vendre? Où est le rapport? Il veut vendre la bière, ils font la publicité d'une femme. On montre que la femme, elle est en train de boire la bière, on montre ses lèvres, comment la bière entre dans sa bouche. Voilà les images dont on est en train de vous faire accepter. C'est la publicité pour vous faire vendre la vanité. Donc, la plupart des femmes noires, vous les voyez dans les réseaux sociaux, elles passent le temps qu'à s'insulter. Elles s'insultent, elles s'insultent, elles s'insultent, elles critiquent les autres, elles disent que elles se disent, elles, ce sont des baronnes, elles, il ne faut pas les toucher, elles ne sont pas n'importe qui, elles insultent, elles sont vulgaires, elles parlent du sexe, donc ça devient banal. Et la plupart des jeunes filles, quand elles regardent, disent, tiens, ah, celle-là, elle a beaucoup de vues. Il faut que je lui ressemble. Je dois être comme elle. Voilà ce qui vous montre dans les réseaux sociaux. Voilà ce qui vous font propager. Voilà. Donc, on vous prépare au fur et à mesure. Elles vont venir sur les réseaux. Vous voyez, elles ouvrent ici, là. On monte le bout, là, comme ça, là. Ils voient la grosse poitrine. Et les gens, dès qu'ils voient la grosse poitrine, bah, ils vont cliquer parce qu'ils aiment ça. Ils cliquent, ils se mettent à regarder, ils aiment ça. Ça réjouit les cœurs. Donc, on a de vous préparer un plan mental pour vous faire accepter facilement la nudité pour que vous ne regardez plus la femme telle qu'elle est. Telle qu'elle est. C'est comme ça se passe. C'est pour ça qu'il est dit ici, mon fils, retiens mes paroles. Et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Il n'y a point. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les spirituellement sur tes doigts. Inscris-les spirituellement dans le mystère caché de ton esprit. Dans le mystère caché de ton esprit. Dis à la sagesse, tu es mon allié, et appelle l'intelligence ton ami. Et c'est ce qui a disparu à l'heure actuelle. Vous voyez, il y a ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, maréchal, prophète ou diacre, ou des chrétiens, ils vont dire non, Zulu là en train de mentir, que Zulu là en train de tromper le peuple de Dieu. Ah, depuis qu'on peut tromper le peuple de Dieu. Bon, ils vont dire non, que Zulu est en train de séduire. Mais quand vous allez dans les soi-disant églises, le dimanche ou peu importe, il y a beaucoup de femmes qui sont assises là-bas. Elles ont des faux cheveux sur la tête, des perruques, des tissages, des faux ongles, des faux cils. Vous voyez? Les faux ongles. Les faux cils, les faux cheveux. Mais elles osent vous dire qu'elles sont dans la vérité. Que soi-disant que ce Jésus-là est la vérité et qu'elles sont dans la vérité. Et pourtant, tout ce qu'elles ont sur elles est faux. Comment tout ce que tu portes sur toi est faux et tu dis que tu es dans le vrai. Et pourtant, dans les propres Bibles, on parle des âmes spirituelles du croyant. Il y a le casque du salut. Le casque, ça doit être, ce sont les âmes de la vérité. Mais les casques qu'elles vont porter dans le visible, c'est des faux cheveux. Et ces faux pasteurs ne peuvent pas les dire, hey, vous les sœurs, vous avez porté des faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, ce n'est pas bon. Parce que ça, c'est propager le mensonge. C'est l'artifice, ça. Ils n'osent pas dire cela. Parce que s'ils disent cela, elles vont partir de cette église-là. Et quand elles vont partir, il n'aura plus son gombo. Parce que lui-même, il aime ça. Ce faux pasteur-là. Lui-même, il aime ça. Oui, toi qui m'écoutes, qui te prétends être pasteur. Quand ces femmes-là viennent dans ton église, dans soi-disant ton bâtiment, tu les vois, comment elles sont habillées. Tu aimes ça. C'est pour ça que tu n'oses pas là les reprendre. Voilà ce qu'on propage. C'est ça l'anti-vérité. Donc, la plupart des femmes noires qu'on voit dans les réseaux sociaux, aux États-Unis, alors c'est grave.
Elles sont là, c'est que la bagarre, elles bagarrent entre elles, elles filment, et les hommes sont là, ils rigolent, ils sont en train de filmer. Voilà l'image. Ou bien elles insultent, elles volent les maris des autres, on attrape l'autre à l'hôtel avec une femme, c'est la baston. On fouette une femme, on filme. On humilie une femme, on filme. Et les gens vont liker. Au nom de quoi? Voilà les réseaux sociaux. Et vous ne voyez pas qu'on est en train de vous nettoyer. C'est un plan de préparation mentale pour accepter le mensonge, pour accepter la négation, pour combattre la vérité. Pour que vous soyez distrait et que vous soyez insensible. C'est pour que vous puissiez être insensible. Donc, on vous dit ici, dis à la sagesse, tu es mon allié et appelle l'intelligence ton ami. La plupart des femmes, vous allez les voir, elles vont insulter, ou les hommes aussi, ils vont s'insulter dans les réseaux sociaux. Ils vont se dire, ah non, moi j'ai un appartement, ah mais moi j'ai acheté une maison. Mais t'as acheté une maison, tu l'as acheté à comment? À crédit, tu l'as pas acheté en cash. Tu vas passer 30 ans ou 40 ans c'est-à-dire à payer ça. Et tu es fier d'avoir un crédit qui t'arrive jusque-là. D'autres vont dire, ah, tu n'es rien, tu n'as même pas construit dans ton village, tu n'as même pas un terrain dans ton village. Tu crois que parce que quelqu'un n'a pas le terrain dans le village qui n'est pas important, ou parce que c'est parce que tu as un terrain ou même 200 000 hectares, que ça fait de toi quelqu'un d'important ou quelqu'un de valeur, d'une grande valeur dans le spirituel? Non. Ah non. Donc voilà ce que les gens racontent. Ils vont parler sur Internet, ils vont montrer les téléphones portables. Vous voyez, mon téléphone coûte tel, ça coûte tel, il s'habille comme ça, il a telle voiture. Toujours se pavaner, se montrer la vanité. Tout n'est que vanité. C'est pour ça que l'Ecclésiaste, dont Mon, il explique ici, il dit, pour ceux, je m'adresse à ceux qui se disent pasteurs, ceux qui ont déjà lu l'histoire de Salomon, quand dans le livre de Proverbes, en tout cas dans la Bible, c'est dans le chapitre 7, où il parle de quand il était à la fenêtre de sa maison, il a regardé parmi les stupides, il a vu un jeune homme dépourvu de sens. Il y a une femme qui est venue l'aborder. Elle avait la mise d'une prostituée. Beaucoup de personnes ont lu cela sans savoir ce que ça veut dire. Ici, on va entrer en profondeur. Dans Proverbes chapitre 7, au verset 1 à 12, il est dit, mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les spirituellement sur tes doigts. Inscris-les spirituellement dans le mystère caché de ton esprit. Il y a point. Dis à la sagesse, tu es mon allié, et appelle l'intelligence ton intime pour qu'elle te préserve de la femme non initiée. Virgule. Blanche et sans mêlée, qui emploie des paroles doucereuses. Il y a point ici. Comme je dis, elles sont sur Internet. Il y a des femmes, elles vont mettre des faux cheveux, des faux ongles, des faux cils. Elles vont dire Jésus, Jésus, Jésus. Elles vont commencer à danser en disant Jésus, Jésus, Jésus. Et beaucoup de gens vont liker, beaucoup de gens vont suivre, alors qu'elles-mêmes, l'image qu'elle a, c'est une fausse image. Parce que tout ce qu'elle porte sur elle est faux. Tout ce qu'elle porte sur elle est faux. Donc je m'adresse à toutes celles qui se disent chrétiennes. Où est-ce que c'est écrit un moment dans les Bibles actuelles que Marie, la soi-disant mère de Jésus, portait des faux cheveux, portait des faux ongles ou des faux cils? Est-ce qu'elle avait besoin de ça? Elle porte ça pour quoi faire? Vous faites ça parce que vous avez perdu la personnalité. Vous voulez plaire aux gens. Vous voulez vous faire voir. Donc, si vous sortez naturellement,
On ne vous regarde pas, vous n'êtes pas bien. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Parce que vous écoutez des fausses, c'est-à-dire les fausses religions. On vous fait croire, on vous a fait croire que vous, si vous acceptez la vérité, vous allez marcher avec tristesse. Vous allez être misérable. C'est faux. C'est écrit nulle part dans la Bible qu'une femme ne doit pas se maquiller. Une femme qui marche selon le verbe, qui accepte la vérité, qui accepte le verbe de l'Oba, elle peut se maquiller. Elle peut se parfumer. Elle peut se faire des belles coiffures. Ce n'est pas interdit. C'est parce que vous comprenez mal les Écritures que vous pensez que, ça y est, certains vous disent que si vous avez accepté Dieu, ah, il ne faut plus se maquiller. Il ne faut pas porter de beaux habits. Il ne faut pas aller au cinéma. Il ne faut pas aller boire. Il ne faut pas faire ceci, cela. C'est faux. Voilà comment Satan vous a trompé. Par des faux messagers et des fausses messagères. C'est pour cela, vous allez les voir, ils vont partir dans ce JC-là. Parce que dans ce JC-là, vu que ce Jésus-là n'existe pas, ce Jésus-là, c'est un menteur, c'est un mensonge. Donc, beaucoup de femmes vont aller dans les églises. Parce que dans les églises, elles vont pour un but, chercher des maris. Par intérêt. Elles vont avec les faux cheveux, donc avec le mensonge sur la tête. Elles vont avec les faux ongles, avec le mensonge sur les doigts. Elles vont avec les faux cils, avec le mensonge là. Vous allez voir les talons qu'elles vont porter. Le jean serré, le derrière, on voit tout est sorti. Elle s'est maquillée, on dirait des phares partout. Elle brille partout. Elle marche, elle lève la tête, elle salue personne. Elle salue que le pasteur. Le soi-disant pasteur. Et peut-être quelques gens de la chorale. Le reste, elle s'en tape. Voilà, parce que le mensonge est là-bas, elles vont se retrouver là-bas. Donc, Mon dit ici, j'étais à la fenêtre de ma maison. Non, j'étais à la fenêtre de l'une de mes demeures somptueuses, non connues, des initiés, des blancs et des sang-mêlés, et je regardais au dehors. Écoutez maintenant la révélation, pour ceux qui ne savent pas, dans le livre de Proverbes. Quand Salomon dit qu'il était à la fenêtre de sa maison, et il regardait parmi les stupides, il a vu un jeune homme dépourvu de sens. Il y a une femme qui avait la mise d'une prostituée qui s'était avancée vers ce jeune homme-là. Salomon, c'est-à-dire Mon, vous expliquait ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ici-là. Pourquoi? Dans le verset 6, il dit, « J'étais à la fenêtre. » La fenêtre, c'est quoi? Comment on dit fenêtre en langue originelle? Dans le doigt ancien, c'est « winda ». On dit « winda ».« Winda », c'est la fenêtre. « Winda ». Et en anglais, c'est « windows » ou « window ». Donc, « winda », qui est la fenêtre, va représenter un écran. Un écran, vous voyez? L'écran que vous voyez là, c'est ça la fenêtre. Ça va représenter un écran. Parce que Mon est en train de prophétiser, il est en train de voir. Donc, j'étais à la fenêtre de l'une de mes demeures, donc Winda, ici là, qui est la fenêtre, donc c'était un écran. Et derrière cet écran là, il voyait ce qui se passait dehors. Et dehors maintenant va représenter l'intérieur, c'est-à-dire Internet, les réseaux sociaux. Dans l'une de mes demeures, j'aperçus parmi les non-initiés, inexpérimentés. Les non-initiés inexpérimentés, c'est qui ici? C'est tout simplement ces gens qui vont voir la photo d'une fille. Elle est attirante. Pop, il clique, il demande l'ami, demande d'amis. Il a mis avec la fille. Ha, il est content. Jamais la fille va lui dire bonjour. Le fait seulement qu'il soit ami avec la fille, il est content. Il est content. C'est parce que Mon dit qu'il est inexpérimenté. Et il est dépourvu de sens. Il est inexpérimenté et il est dépourvu de sens. Donc, j'étais à la fenêtre, c'est-à-dire Winda, qui est l'écran. Et cet écran-là,
c'est le PC, c'est la tablette, c'est votre téléphone portable. Et vous voyez ce qui se passe là-bas dedans. Et je regardais au dehors. J'aperçus parmi les non-initiés inexpérimentés. Et je remarquais parmi eux un jeune homme non-initié dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près des manguiers, où se tenait une de ces femmes sans mêlée avancée en âge. Et il se dirigeait lentement vers ses manguiers. Vers ses manguiers. Et c'est ça le danger. C'est ça l'erreur. Le but d'Internet, une grande partie des réseaux sociaux, est là pour pervertir la jeunesse. Est là pour séduire. Parce que depuis qu'il y a ce qu'on appelle Internet, il y a le péché qui est encore augmenté. Et oui, et personne ne me dira le contraire. Depuis qu'il y a les réseaux sociaux qui existent, le péché ne fait que s'accroître. Parce que vous allez voir une femme ou un homme, il va prendre son salaire, il va prendre le crédit, il va prendre son petit crédit, il va prendre le crédit, il habite peut-être à l'étranger, il habite soit aux États-Unis, soit en Amérique, soit en Europe, il prend le crédit, il va peut-être en Afrique, il va dans les boîtes de nuit, il filme, et on voit comment on le lave avec le champagne. Vous voyez, on dit c'est le, d'autres vont dire c'est le Benguis, le Panaméen, le Parigo, le Parisien. Il envoie ça dans les réseaux sociaux. Et quand il revient, ah, son frigo n'est même pas plein. Il faut qu'il paye son loyer, il faut qu'il mange. Donc il travaille, fait 2-3 boulots. Ça, il ne dit pas ça dans les réseaux sociaux. Mais il montre juste l'image de quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui dépense. Et quand d'autres jeunes du quartier vont voir cette photo, cette vidéo, parce que c'est une vidéo de mensonge, ils vont dire, waouh, il faut que je sois comme ce gars. Il faut que quand j'entre en boîte de nuit, on cite mon nom et les femmes se mettent à crier. Dans d'autres, ils vont dire les naïves, les fagames. Voilà comment ça se produit. Et aussi des femmes, vous allez les voir, elles vont acheter des talons, elles vont acheter des chaussures au marché, peut-être à 5 euros, 6 euros. Elles ne vont pas dire, elles vont acheter des imitations de chaussures, des marques. Elles ne vont pas dire que c'est ça. Elles vont porter, elles vont mettre ça, elles vont dire la collection. Elles vont porter des robes qu'elles vont acheter, quand il y a ce qu'on appelle les soldes. Les robes, puisqu'il existe plusieurs sortes de magasins maintenant où on vend les habits qui ressemblent à peu près aux habits de, comment on appelle ça, les habits de marque. Elles vont porter ça, elles vont aller au restaurant, elles vont économiser, elles vont manger. Elles vont économiser, elles vont aller manger dans un restaurant, elles vont filmer pour faire croire qu'elles vivent la belle vie. Elles vont aller un peu partout en Afrique, elles vont aller dans les B&B. Vous voyez les logements où les vacanciers, ce qu'on appelle les benguistes, ils vont, c'est bien aménagé, elles font les selfies, elles font croire aux gens que c'est leur appartement et pourtant c'est les B&B. D'autres vont aller à l'hôtel en faisant croire qu'elles vivent à l'hôtel. C'est facile ça. Voilà ce qu'elles vont faire. Et les petites filles naïves, stupides, dépourvues de sens, quand elles vont voir, elles vont dire waouh, ah, la tata elle vit bien. Tiens, je demande à mes. Il faut que je sois comme elle. Et c'est là où elles vont se prostituer. Elles vont se prostituer facilement parce qu'elles veulent ressembler à cette fille-là qu'elles voient dans les réseaux sociaux. Les gens sont prêts maintenant à tout pour être des stars, pour être connus. Parce que quand ils ne sont pas connus, ils se sentent misérables. Ils veulent savoir c'est quoi la gloire. Que quand ils passent, on cite son nom, il est content. Que quand ils marchent, on le regarde, on le reconnaît. Ça, ils aiment ça. Être connu, c'est bien et en même temps, c'est pas bon. Je sais de quoi je parle. Eh oui. Donc, voilà ce que les réseaux sociaux ont apporté.
Et on vous dit ici, il passait près, c'est-à-dire dans les rues, près des manguiers, où se tenait une de ces femmes sans mêlée, avancée en âge, qui se dirigeait lentement vers ces manguiers. C'était pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité, à la pleine lune, voici que la femme sans mêlée vient à sa rencontre, vêtue de vêtements provocants, et la ruse dans le cœur. La plupart maintenant, elles vont acheter des habits provocants, pour venir séduire. Elles vont aller dans ce que j'appelle les églises. Voyez comment elles s'habillent dans ces églises-là. Si ça, ce n'est pas la séduction, et on met ça dans les réseaux sociaux, les gens vont regarder, ils vont être contents. Voilà l'image qu'on est en train de vous présenter. Donc, on est en train de tout banaliser, on est en train de se moquer des gens, on se moque des gens, on envoie des réseaux sociaux. Et pourtant, il est dit, ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Mais il y a des gens qui font des vidéos, des blagues, des moqueries, ils envoient des réseaux sociaux, vous regardez, vous rigolez aussi en même temps. Parce que ça vous distrait. Dans le mensonge, la désobéissance vous distrait. La désobéissance vous fait du bien. Il y a des mongols, des rigolos, le qui, comment il s'appelle, si c'est Marcosa ou Marcoso, il vient mentir les gens ouvertement, il fait croire aux gens, parce que lui-même, il maîtrise, mais il ne connaît même pas la Bible, il ne sait même pas ce qu'il lit. Donc, vous voyez, ces gens de personnes, ils vont se pavaner dans les réseaux sociaux, parce que s'il n'y a pas de réseaux sociaux, pour lui, il est fini. Donc, c'est ces gens de personnes qui vont venir distraire les gens. Ils vont vous dire que si vous ne partez pas à Jérusalem, que tout chrétien qui ne va pas à Jérusalem, au même prier là-bas, ressentir la présence de ce Jésus qui n'existe même pas, que le chrétien qui ne va pas à Jérusalem prier là-bas, là, n'a même pas encore fait les 50% de sa vie spirituelle. Mais regardez un délire, un mensonge total. N'est-il pas écrit dans les mêmes Bibles, dans les Bibles actuelles classiques, dans le livre de Jean 4, quand Christ, selon les Bibles actuelles classiques, parlait à la femme samaritaine, quand cette femme samaritaine a dit que nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, la réponse était quoi? Ça ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et il y a des Mongols comme les Makoso, ils sont là, ils vont dire, non, tout, il faut faire le pèlerinage, il faut cotiser, tout ça parce qu'ils veulent escroquer les gens pour aller à Jérusalem. Ils disent que c'est le peuple de Dieu là-bas. Quel peuple de Dieu? Qu'il faut aller à Jérusalem et là-bas, vous allez ressentir une puissance spirituelle. On va vous montrer la tombe de Jésus, ainsi de suite. Mensonge. Voilà des Mongols que d'autres Mongols aiment écouter. Parce qu'il distrait les gens. Parce qu'il va broyer comme un chien, toujours en train de distraire les gens, pour les éloigner de la vérité, en faisant croire qu'ils sont dans la vérité. Voilà. Voilà le mensonge. Le Christ lui-même dit quoi? Ça ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. C'est en esprit et en vérité. Ce n'est pas dans un lieu qui va te rendre plus puissant ou bien qui va élever ton potentiel spirituel. Voilà ces gens. Non seulement ces Bibles sont remplies d'erreurs, de confusion, ils ne comprennent même pas ces propres Bibles-là parce qu'eux-mêmes, c'est la confusion eux-mêmes. Eux-mêmes, ils sont confus parce qu'ils sont dans la confusion. Ils vont vous parler de Jésus. Vous avez beau les expliquer que Jésus n'a jamais existé. Il y a même les papes dans l'histoire, dans l'église babylonienne, c'est-à-dire l'église romaine. Eux-mêmes, ils ont dit, ils ont montré que Jésus n'existait pas. Mais parce que ces gens, ils veulent se sentir exister, donc ils vont s'auto-proclamer pasteur. Parce que pour eux, ils sont des stars.
Il faut que les gens les écoutent. Parce que si on ne les écoute pas, leur vie ne sert à rien. Il y a des gens qui veulent tout le monde être connu. Ils vont faire des castings de danse. Ils ne savent même pas danser. D'autres vont faire... ils vont tout faire pour qu'on puisse parler d'eux. Même s'ils sont un peu dans un journal, il faut qu'on parle d'eux ou d'elle. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de personnalité. Apprends à être ta propre star déjà en secret. Ça veut dire que si tu recherches constamment la présence des gens de vanité, ça dit ta propre présence n'est rien alors. Ça dit que ta propre présence n'est rien. Ça veut dire que ces gens-là dont tu dis sont des stars sont plus importants que toi. Oui. Ils sont plus importants que toi. Ils sont plus importants que toi. Parce que ces stars-là, soi-disant, sont dans ton idole. C'est-à-dire, sont dans ton cœur en tant qu'idole. Donc, tu as besoin de les voir constamment, d'écouter les mensonges, d'écouter comment ils critiquent les gens, comment ils insultent. Quand ils insultent, vous êtes content. Ils mentent, vous êtes content. Ils giflent quelqu'un, vous êtes content, vous likez. Vous voyez, les femmes, elles sont presque nues. La séduction, elles sont des stars. Et beaucoup de gens vont, ils likent, ils prennent la photo de la femme, ils accrochent. Ils disent, ah, celle-là, elle est bien. Ah, tu as vu ses jambes? Ah, voilà. Parce que vous-même, vous n'êtes rien. Parce que vous-même, vous n'êtes rien. Vous allez aller aduler des gens qui ne servent à rien. Des gens qui ne vous apportent rien. Non mais, ça c'est l'idolâtrie. Là c'est l'idolâtrie. Donc, mon dit ici, ainsi le monde occulte, non plutôt, c'était pendant la soirée au milieu de la nuit et de l'obscurité, à la pleine lune, voici que la femme sans mêlée vient à sa rencontre vêtue de vêtements provoquants à la ruse et la ruse dans le cœur, au cœur. Elle était bouleversante, déchaînée, sans aucune honte. Elle était sa. Elle va dans la rue ou sur la place du marché en cherchant l'aventure. Vous ne comprenez pas maintenant que le monde à l'heure actuelle, c'est que des intérêts. C'est que des intérêts. C'est que des intérêts. Eh oui. Il y a des femmes maintenant qu'on va appeler gold digger. Si tu n'as pas d'argent, tu ne roules pas dans une Lamborghini ou bien dans une grosse voiture, elles ne te regardent même pas. Même si tu penses que tu es beau, elles s'en tapent de ça. Parce que c'est comme ça que maintenant que le système, voilà ce que les réseaux sociaux ont apporté. Elle va te dire, elle ne mange pas ta beauté. Même si tu es petit comme ça et que tu es riche, elles vont aller vers toi. Il y a aussi des hommes comme ça. Il y a aussi des hommes comme ça. C'est par intérêt. Eh oui. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Quand vous allez dans les réseaux sociaux, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des gens qui vont dans les réseaux sociaux, qui vont sur Internet parce qu'ils s'ennuient. Et s'il n'allume pas son écran, oh, il ne sait plus quoi faire, il est perdu, donc il s'ennuie, il est quand même misérable. Mais vous savez, apprenez à méditer. Quand il n'y avait pas Internet, les gens faisaient comment? Quand il n'y avait pas la télé, les gens faisaient comment? Il y avait des livres. Il faut lire. Il faut méditer. Il y a des gens qui passent toutes les matinées devant l'écran en train de regarder des femmes. Pas. Dès qu'on voit l'image, on voit Zulu là. Il apporte la vérité. On voit une femme derrière. Avec des femmes. Boum, ils vont là-bas cliquer pour la femme derrière. Parce que cela, ça les réjouit le cœur. Mais au final, ça va t'apporter où? Ça va t'amener quoi? C'est pas quand tu es malade
après, quand tu es en train de mourir, que c'est pas, oh Dieu, c'est pas Dieu que tu vas appeler? Pourquoi c'est pas la femme que tu likes, que tu appelles quand tu es souffrant, quand tu sens que tu vas trépasser, que tu veux mourir? Pourquoi c'est le spirituel maintenant que tu invoques? Pourquoi tu n'envoies pas tes soi-disant stars sur Internet là? Vous voyez que c'est la distraction. Quand vous allez sur Internet, apprenez à faire la part des choses. N'allez pas sur Internet juste parce que vous voulez vous distraire. Il faut savoir ce que vous recherchez là-bas, ce qui va vous apporter, que ce soit intellectuellement, dans votre avancement, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de mensonges sur Internet. Il y a aussi des bonnes choses. Mais sur 100%, il y a au moins 80 ou 90% de mensonges, de confusion, de l'anti-vérité. De l'anti-vérité. Vous allez aduler des stars, aduler des stars. Ah, ça c'est ma star, ça c'est ma star. Ça c'est ma star. Vous êtes capable de tuer pour ces stars alors qu'elles ne vous connaissent même pas. Elles ne savent pas où vous habitez. Elles ne vous connaissent même pas. Elle ne vous a jamais parlé. Voilà. Et ce sont toujours les mêmes personnes. Vous allez les voir, on dit Jésus, 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 oh Dieu, Dieu, Dieu. Alors que ce sont des idolâtres. Donc, elle va dans la rue ou sur la place du marché en cherchant l'aventure. Donc, toutes ces femmes-là qui. Que ce soit sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, les postés profils, même les hommes, ils vont chercher l'aventure. Ce sont des séductions, des séductrices et des séducteurs. Et quand vous tombez là-dedans, vous perdez toute valeur. Vous perdez même la moralité que vous aviez. Vous perdez vos valeurs. Vous perdez vos valeurs. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a quelqu'un qui écrit, ton polo bosse, oh, il y a des créateurs africains. Tout appartient à l'Oba. Est-ce que tu comprends? Donc, quand on ne sait pas, on reste tranquille. Ce polo-ci, tout appartient à l'Oba. Si tu sais, si vient d'où. Ceux qui se disent des stars ou bien des créateurs qui vont fabriquer des sacs, les trucs de marque. Mais ça vient d'où? Tous ces éléments viennent d'où? Ça vient de la terre. Et qui a créé la terre? Ce n'est pas eux qui ont créé la terre. Ce n'est pas eux qui ont créé ces éléments. Donc, oui. J'ai porté la boss, Hugo Boss, parce que je suis un boss. Je suis le boss. Ça dérange? Vous allez me dire que ce n'est pas les Africains qui ont fait ça. Ces éléments appartiennent à l'Oba. Tout ce qui est sur la terre appartient à l'Oba. Donc, quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas la vérité, on reste tranquille. On reste tranquille. Tout appartient à l'Oba. Donc, il ne faut pas venir vous expliquer qu'il y a des habits que les Africains doivent porter et les habits que les Européens doivent porter. Tout appartient à l'Oba. Tout. Donc, dans Koudoumané, chapitre 10, au verset 1, dans Koudoumané, chapitre 10, verset 1 à 5, il est dit, quelque temps après, les Mengouma Madiba, dont Sirène des Eaux, possédaient de très belles femmes non initiées à la beauté captivante qui résidaient dans la ville de Tindilédi, afin de séduire et renverser Kola Ita. Par tous les moyens, il y a point ici. Ainsi, le monde occulte espérait plutôt affaiblir Eyoumé et prendre le dessus sur elle.
Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut apprendre à répondre aux gens qui aiment l'antivérité. Il faut apprendre à répondre aux gens qui sont nourris de l'antivérité. Il faut apprendre à répondre à ces gens. Voyez, quand on va vous dire, non, ça, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est que pour les Africains. Ça, c'est faux. Là, la personne écrit Boss, Hugo Boss. Mais Hugo Boss, c'est quoi? Ce sont des lettres, non? Ce sont des lettres. Puisque la personne arrive à lire ça, c'est écrit Hugo Boss. Ce sont des lettres. Et les lettres, c'est quoi? Qui a créé des lettres? Qui a créé les mots? Toutes choses ont été faites par le verbe. Quand le verbe s'exprime, bam, les phrases sortent. Et ça, c'est une phrase. Parce que c'est l'homme qui invente les mots là. Tout appartient à l'homme. Voici un verre. D'autres, on va dire le verre flûte à champagne, tout ça là. Ça appartient à l'homme. Ça ne veut pas dire que ce verre-ci vient directement du grand ordre des choses. Les éléments qui ont servi à faire sortir, à sculpter ça là pour que ça arrive là, tout ça appartient à l'Oba. Donc tout appartient à l'Oba. Tout. Je dis bien tout. Et tout ce qui est à l'Oba est à moi. Donc on vous dit ici, en début de soirée, lorsque la nuit s'approchait et que l'obscurité s'installait, une très belle femme possédée par les Mengouma Madiba, sirène des eaux, vint au-devant de l'atelier de Kolaïta, quoique fiancée à Eyoumé, ils n'habitaient pas encore ensemble selon la coutume ancestrale. Elle était couverte de magnifiques voiles multicolores, de lin sur la tête, elle dissimulait la ruse dans son cœur et était rempli d'artifices et de séduction. C'est exactement ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Comme je dis, que ce soit les hommes et les femmes, les profils, il y a profils et profils. Il y a des profils qui sont là uniquement pour attirer les gens, pour séduire. Et dès que tu tombes là-dedans, bah, elle dit voilà, hein. Tu dis bonjour et elle te répond même pas. Elle autre te demande l'ami. Elle a plein d'amis comme ça là. Et maintenant, quand elle voit ça, elle se sent maintenant importante. Elle se sent vivre. Elle se sent comme une déesse. Donc, elle quitte de son boulot ou bien de l'école. Elle rentre, direct, elle allume son PC. Elle voit les messages, comment on a liké ses photos, elle est contente. Vous voyez? Poup, dans son cœur, elle est contente, elle est joyeuse. Ah, on a liké ma photo. Ah, elle est contente. Elle regarde, elle regarde, elle est contente, elle est contente. Parce qu'on dit ici, elle était couverte en gros, elle dissimulait de la ruse dans son cœur et étant remplie d'artifices et de séduction. Voilà comment ça se passe. Ses cils étaient maquillés, elle se fardait, non, plutôt, elle se farda les paupières avec un fard noir. Avec un fard noir. Voilà comment ça se produit. Voilà comment ça se passe. Donc, les réseaux sociaux, faites attention à ceux qui ont des enfants. Mettez comment on appelle ça? Les mots de passe. Mettez les mots de passe, le code parental, ainsi de suite. Même quand vous avez Internet, quand vous avez le câble, il y a des émissions, il y a des films qui passent. Faites attention. Parce que c'est dangereux. C'est une séduction, les réseaux sociaux, puisque c'est ouvert maintenant. N'importe qui, maintenant, la plupart dans le monde, tu prends juste ton téléphone, pap, tu es dans les réseaux sociaux, tu tapes ce que tu veux, bouf, moteur de recherche. Donc, en gros, allez, bouf, prends. Et tu tombes dessus, tu n'es pas initié, tu ne sais pas dissocier le bon, le mensonge, le vrai. C'est comme les films d'action. Hein. Quand vous étiez petit et vous regardez les films d'action où le chef bandit, il tue les gens. Mais quand vous êtes petit, vous pensez que ces gens-là mourraient réellement. C'est pareil avec les réseaux sociaux. On va vous montrer des choses, de la vanité, et vous voulez ressembler à ces gens-là. Oui, le contrôle parental. Vous voulez ressembler à ces gens-là.
Il y a des gens qui se prennent vraiment pour des stars. Et pourtant, elles sont rien du tout. En gros, elles sont stars de Facebook. Elles sont des stars dans les réseaux sociaux avec ces gens-là qui les considèrent comme des stars. Donc, faites attention dans les réseaux sociaux. Arrêtez d'aller chercher des amis partout où vous voyez une fille, elle va venir, elle va dire loba, 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 loba. Ça ne veut pas dire qu'elle connaît loba. Arrêtez d'aller cliquer sur les gens qui vont dire 1, 2, loba, vous demandez d'être ami avec eux. Arrêtez. Vous avez besoin d'amis beaucoup, beaucoup sur Facebook. Le jour où vous êtes en danger, le jour où vous avez besoin de quelque chose de grave, ils ne sont pas là. Vous ne connaissez même pas vos amis. Mais vous avez plein d'amis. Vous êtes content quand on like vos vidéos, les photos, ainsi de suite. Ça peut être bien de liker vos photos. Mais quand c'est par rapport à la séduction, la vanité, ça sert à quoi? À rien. Ça sert à rien. Eh oui. Donc, il y a plein de gens qui sont remplis comme ça dans le monde. Ils ont besoin de réseaux sociaux pour se sentir vivre, pour se sentir important. Pour se sentir important. Parce que si on ne les regarde pas, si on ne like pas les photos, si elles ne font pas une petite vidéo, ou si elles ne montrent pas comment elles sont là, vous voyez, elles font toujours pareil. Elles dansent, elles filment. Elle tourne comme ça là, on regarde, elle filme les pieds et elle envoie des réseaux sociaux. Mais c'est pourquoi faire? C'est pourquoi faire? Mais où est la vérité dedans? Mais où est la vérité dedans? C'est chercher les propres gloires parce qu'elles n'ont pas de personnalité, elles ne sont rien du tout. Elles ne sont rien. Eh oui. Il y a toujours eu la notion des ordinateurs dans l'Afrique ancestrale, mais qui n'avait rien à voir avec les ordinateurs qu'on voit maintenant. À l'époque, c'était la haute, je dis bien la haute technologie, très avancée. Vous savez, l'ordinateur à l'heure actuelle, bon, Internet à l'heure actuelle est limité. Eh oui, c'est limité. Pourquoi c'est limité? C'est limité, premièrement, supposons, si vous cherchez, écoutez attentivement, vous allez voir qu'il y a un mensonge. Quand vous allez sur le moteur de recherche sur Internet, vous allez peut-être taper... Vous allez taper, supposons que vous êtes en train de chercher une bouteille. Une bouteille peut-être, je ne vais pas faire la publicité ici. Vous cherchez un oiseau. Vous allez peut-être taper l'épervier. Ou bien, vous allez chercher, vous allez connaître le nom de la chose que vous cherchez. Vous allez taper le nom. Ça va un peu apparaître, mais autre chose aussi vont apparaître. Qui n'ont rien à voir avec la recherche que vous êtes en train de chercher. Parce qu'on va vous suggérer. Toujours le mensonge. Oui, Internet est pollué. C'est pollué. Vous allez sur le moteur de recherche, vous tapez quelque chose, on vous envoie autre chose pour vous distraire. Pour vous distraire. Pour vous distraire. Il y a quoi sur Internet? À part les films. Les films, c'est quoi? Les films qu'on voit, c'est le mensonge. Puis ce sont des histoires inventées, des scénarios que les gens inventent, les idées. Et c'est ça qui va vous distraire. Le mensonge vous distrait. Les émissions de mensonges, la politique, le mensonge, le racisme sur Internet, tout vous trouvez là-dedans. Et ça vous pollue, ça pollue, ça pollue, ça vous apporte la haine. Quand vous voyez une femme qui marche,
Pap. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Boum! La personne m'est favori. Boum! Ah non, parce qu'il veut encore regarder ça. Parce que quand il regarde, ça lui fait du bien de regarder. Ça le réjouit. Or, c'est ce que tu entends là qui doit réjouir ton cœur. C'est ce que tu vois là en face de toi qui doit te réjouir. C'est ça. Bible, Kalatambal. Donc, je répète encore, je m'adresse, je suis en direct, et je sais que beaucoup de personnes vont regarder cette vidéo, sont en train de regarder, vu que c'est en direct. Que cela vous plaise ou pas, je suis le seul enseignant. Je dis bien, je répète, et je pèse mes mots. Je suis le seul enseignant. Jésus-Christ n'existe pas. Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah, toute forme de religion ou bien de spiritualité dont vous allez nommer, que moi j'approuve pas, est faux. Je le dis ici. Est-ce que vous voyez le doute? Donc, vous pouvez dire, pensez ce que vous voulez, ça ne changera rien. La vérité, elle est là. Elle est en face de vous. Et cette vérité, elle est là. Bible, Kalatambale, la seule vérité. En dehors de ce que je dis, il n'y a pas de vérité. N'ayez pas peur. On vous a trompé. On vous a trompé. Vous étiez des enfants, vous êtes nés dans ces religions dites révélées. Vos pères, vos ancêtres, on les a fouettés, on les a forcés à accepter ces religions. Vous avez grandi. Étant petit, vous avez accepté ça. D'autres, on vous a baptisé, d'autres. Et vous avez cru que c'était vrai. Parce que votre esprit même a plongé dedans. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. La vérité, elle est là. Elle s'adresse à vous. Elle a pris un corps. Elle a porté un corps. La parole s'est faite chair. Et elle vous dit, toutes les religions dans le monde, dans tous les pays dans le monde, sont fausses. Toutes les religions sont fausses. Toute forme de spiritualité sont des mensonges. Peu importe comment ils vont parler, peu importe comment ils vont vous expliquer, peu importe ce qu'ils vont vous dire, ils sont tous des menteurs et des menteuses. La seule vérité, elle est là. Et je sais qu'au fond de vous, vous le savez. Mais sauf que l'idole est en vous. L'idole est dans votre cœur. Vous avez l'idole dans le cœur. Regardez le monde, comment il va. Regardez les pays où il y a les églises qui ne font que sortir. Dans un pays, dans un quartier, il y a beaucoup de ceux qui se disent pasteur, pasteur, pasteur. Il y a plein d'églises. L'église ceci, l'église cela, l'église cela. Des nominations de telle religion, ils ne font que remplir, remplir, mais la violence ne fait que ressortir. Il y a l'insécurité, il y a la corruption, la prostitution, le meurtre. Ceci pour vous montrer que ces religions-là sont uniquement là pour alimenter le mensonge. Et derrière le mensonge va ramener ce qu'on va appeler le cheval de Troie. Si vous connaissez l'histoire du cheval de Troie, c'est un virus. Le cheval de Troie, c'était par rapport à la ville de Troie. C'est pour ça qu'on dit le cheval de Troie, la ville de Troie. Quand il y a eu bataille, à un moment, les autres étaient plus malins. Ils ont dit, bon, on fait comme si on s'est éloigné, on va faire comme si on abandonnait la guerre, on a fui, on va fabriquer un grand cheval
C'est-à-dire, ils vont fabriquer un cheval pour l'honneur de ce faux dieu, de ce démon de Poséidon. Parce que Poséidon, son emblème, on sait qu'il y avait le trident, mais il avait aussi les chevaux. Dans la mythologie, quand il chevauchait les eaux, il avait son char avec les chevaux. Donc, ils ont fabriqué une statuette, un cheval, pour l'honneur d'Odin, plutôt de Poséidon, le faux le démon, là, Poséidon. Vu que le cheval était grand, ils sont entrés là-dedans. Ils ont laissé ça devant. Voilà. Et quand ces gens sont venus, ils ont trouvé le cheval. Ils ont dit, bon, forcément, ils ont pris la fuite. Ils ont reconnu notre supériorité. Supériorité. Voici l'offrande qu'ils donnent à les dieux. Donc, à Poséidon. Ils ont fait entrer le cheval. Ils ont refermé les portes. Et après, quand les gens étaient distraits, les gens qui étaient dans ce cheval-là sont sortis. Et boum, bababa, ils ont commencé à massacrer les gens dans la tour. C'est ce qu'on appelle le cheval de Troie. C'est Internet. C'est le virus. On t'envoie ça chez toi. Piou! Et vu que tu es seul, on n'arrive pas à t'expliquer. Un malade va rester chez lui. Il va dire que Ève a couché avec le serpent. Et le premier enfant, c'était Caïn. Et Caïn était jaloux. Il a tué Abel parce que Abel a fait une bonne offrande à Jéhovah et Jéhovah a approuvé ça. Alors que c'est le mensonge. C'est Abel la première forme de vie. Le premier être vivant, c'était Abel qui avait versé le sang. C'était pas Caïn. Caïn n'est pas le fils de Satan. Caïn n'était pas le fils de Satan. Voilà ce qu'ils vont vous raconter. Ils vont dire Emmanuel, c'est Jésus. Que l'ange de l'Éternel, c'est Yahvé. Parce que dans le livre des Hébreux, il est dit, comme Dieu ne pouvait pas jurer à quelqu'un de plus grand que lui, il jure par lui-même. Et on va dans la Genèse où l'ange dit, je jure par moi-même. Donc vous voyez, cet ange a juré par lui-même. Et dans le livre des Hébreux, on dit, Dieu ne peut pas jurer sur quelqu'un qui est plus grand que lui. Donc forcément, c'est Dieu. Ah, ils oublient que l'ange peut parler de la part de quelqu'un en jurant par lui-même. Donc voilà. Donc, arrêtez d'aller suivre les gens qui vont vous parler de Dieu, qui vont vous parler de la spiritualité. Tout ça, là, c'est le mensonge. Le vrai Christ a dit à ses apôtres, abstenez-vous des levains des pharisiens. Vous n'allez pas écouter ici et vous écoutez ailleurs. Sinon, vous-même, vous êtes ni chaud ni froid. Sinon, vous-même, vous êtes polygame. Sinon, vous aimez la polygamie. Vous écoutez ce que je dis et vous allez encore écouter un soi-disant homme de Dieu là-bas, là. Vous écoutez encore son enseignement, vous écoutez là-bas, vous écoutez encore Zulu là. Ça s'appelle la polygamie. C'est la polygamie. Il faut être monogame, fidèle à une. Vous pensez que les apôtres vont aller écouter là-bas, ils écoutent encore ce que Christ dit. Ils vont dire Dieu m'a dit. Que Dieu m'a mis à cœur. Ah, Dieu les parle. Mais c'est quel Dieu qui les parle? C'est quel Dieu? Toi, vous voyez comment les gens sont devenus fous? Les gens sont devenus fous. Donc Dieu, il te parle et ce Dieu n'est pas capable de te révéler que Jésus n'existe pas. Que Jésus, c'est une invention. Ils vont dire Pierre, ils vont dire Paul, ils vont dire Luc. Depuis quand un juif s'appelle Paul? Depuis quand un juif s'appelle Jean? Depuis quand un juif s'appelle Jésus? Les gens ne comprennent rien. Donc voilà. L'enseignement d'aujourd'hui, c'était pour vous dire de faire attention
de savoir ce que vous allez écouter sur Internet, ce que vous voyez. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Quand vous allez sur Internet, vous cliquez, il y a des images qui vont vous choquer que vous allez voir. Il y a des paroles que vous allez entendre. Il y a des choses que vous allez ressentir. Et quand vous allez ressentir ça va entrer comme un cheval de Troie. Comme un virus, ça va entrer en vous. Même si un jour, vous n'allez plus regarder ce que vous regardiez, c'est resté à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas un antivirus. Vous n'avez pas un antivirus. Parce que votre esprit n'est pas protégé. C'est pour cela que vous aurez beau vouloir dire, mais avant je priais, maintenant j'arrive plus à prier. Mais c'est normal. C'est parce que tu as regardé trop de choses mauvaises. Tu as entendu trop de choses qu'il ne fallait pas entendre. Et c'est ça qui est allé, qui s'est bouché l'endroit où tu devais recevoir la bonne nourriture. C'est aussi simple que ça. Apprenez à transcender votre conscience. Apprenez à décider ce que vous allez voir et entendre. Qu'on ne vous impose plus des choses. Si vous, ça vous touche, si vous vous ressentez ça maintenant, vos enfants, eux, ils seront comment? Ils seront pires. Vos enfants seront pires. Donc voilà, Loba, c'est encore glorifié. C'est vendredi, il y a question-réponse. Bon, oui, il y a question-réponse. Et connectez-vous où vous savez.